si c'est le problème de Nikish, je vais l'appeler. T'inquiète pas, je vais appeler Nikish le pire. Ce problème-là, je vais régler ça. D'accord? C'est qui ce mec? C'est un ami. Un ami? Oui. Un ami? Oui. Je suis sûr que c'est un ami ce mec. Qu'est-ce qui se passe? Faut te faire respecter. Mais je me fais respecter. Et monsieur, je ne vous fais pas toucher ma femme. Je ne vous fais pas toucher ma femme. Il y a un problème, tu la touches pourquoi? Mais pourquoi il te touche? Calme-toi, chérie. Il te touche pourquoi? Chérie, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de juste parler. Mais pourquoi il te touche? Je ne t'ai pas le fait, il te touche pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et monsieur, tu la fermes. Tu te calmes. Tu la fermes. Sinon, tu vas me prendre. Ah, donc ça fait mal. Tu la fermes. Ça fait mal. Non, ça ne me fait pas mal. Non, c'est pour mieux comprendre. Ça fait mal. C'est toi qui verses l'eau sur les gens. Tu vois, la petite là. Tu ne fais même pas rester. La petite effrontée là. La petite là. La petite effrontée là. La petite avec qui tu sors là. Ma voisine. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais me tromper. Et monsieur, tu la fermes, je n'entrerai pas là, ma femme. Tu la fermes, je ne chanterai pas là, ma femme. Côté, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu la fermes, je ne chanterai pas là. Mais doucement. Mais ce pingouin là, chérie, doucement. Tu fais quoi avec lui ici? Chérie, doucement, calme-toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Doucement, chérie. Faut te calmer. T'as pas besoin de t'énerver. Mais tu la suis pourquoi? T'as pas besoin de t'énerver. Tu la suis pourquoi? Mais tu fais quoi avec lui? Mais je suis en train de juste parler avec lui. Mais parler lui de quoi? Mais c'est un ami comme ça. Un ami, bon, il s'appelle comment? Là, t'as pas d'ami. Son nom, il s'appelle comment? C'est Julien. Ah, enfin. C'est vous, Julien? Oui, c'est moi, Julien. Il y a un problème? Non, ça m'étonne pas. Il y a un problème? Non, ça m'étonne. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Non, ça m'étonne. Il y a quoi? Tu sais quoi? Oui. Tu sais quoi? Vraiment, je pense bien que je vais vous laisser. Mais tu dis ça pourquoi? Excuse-moi, monsieur. Non, mais... oui. Excuse-moi, mais attends, si j'ai été vraiment. Doucement, faut pas trop t'approcher de lui. Mais non, tu me touches pas, chérie. Mais si je me touche pas. Mais je vais te toucher. Tu me touches pas. Je vais te toucher. Mais tu es mon mari, et te toucher. Tu me touches pas. Je te touche. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me touches pas. Tu fonces sur lui. Je suis étonné. Non, monsieur, tu peux la prendre. Non, t'inquiète. Mais pas nous. Et j'ai ta femme, il va me prendre. Vas-y. Il va pas me prendre. Tu es mon mari, tu n'as rien vu. Il faut être responsable un jour. Mais moi, je suis responsable. Si vous êtes ici, c'est à cause de ma femme. Dieu seul le sait. Non. Vous courez ma femme depuis longtemps. Non, 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 c'est mais pas vous moi. Le savez très bien. Non, peut-être c'est quelqu'un qui te l'a dit. Monsieur, monsieur, nous sommes des hommes. Non, je sais de quoi je parle. Sois honnête. Moi, aujourd'hui, je vous cède même cette femme. Elle ne sera plus à moi. Je vous donne ma parole, elle ne sera même plus à moi. Donc, tu me fais la leçon. Non, prends. Attends, toi. Prends. Toi qui sors tous les jours, toi qui es tout le temps dehors, toi, c'est ce que tu veux dire? Tu la fermes. Toi qui me trompes avec mes voisins. Je te porte mais tout à l'heure. Tu vas me porter mais. Tu la fermes. Attends, tu veux donner au chaud? Tu ne peux pas me porter mais. Non, je m'en fous du chaud. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et puis tu t'en vas où? Oh, tu me laisses là. Mais t'as quel problème? Je prends mon sac. Mais fais pas de tu es mon mari. C'est ma cousine. T'as pas payé le loyer depuis longtemps, je t'ai dit. Virginie, c'est ta cousine? Ben oui, c'est ma cousine. Ah, moi, je la connais depuis longtemps, depuis Abidjan. C'est ma cousine. Elle a des commandes. Oui, avec son. Non, je t'ai dit. Elle a l'argent pour payer pour moi, mais elle n'a pas l'argent pour payer le loyer. Oh, ça, ce n'est pas ton problème. C'est quoi? C'est ma cousine. On va dire ça. C'est elle qui a déposé chez toi à la maison. Et quand elle t'a dit c'est ma cousine, tu comprends pas bien. Oui, mais cousine, elle. Cousine, ça va être danger. Celle-là, c'est un danger. Ah bon? Tu l'as déposé. Ah oui, elle va chercher ton mari. Ah, quel mari? Ton mari. Ah, tu n'as pas mari maintenant. Mais pourquoi elle va. C'est ma cousine, pourquoi elle va chercher mon mari? Ah bon? Celle-là, faut pas la garder ici. Tu sais qu'elle va partir vite. Ah, sinon, partir. Je t'avais dit un an, ton mari va partir. Sinon, ça serait un mois et puis il va partir. Ah bon? Elle va marcher même en pygmy dans la maison ici, tu vas voir. Quand tu donnes d'eau, tu vas au travail là. Yeli, tu as raison. Quand elle porte son pantalon, quand elle est toujours dehors, je tire toujours son habit. C'est vous que le monsieur là regarde. C'est pour ça qu'il a envoyé dans la maison ici. Il faut rester tranquille. D'accord, j'ai compris ma chérie. Merci beaucoup. Il ne faut pas trop la laisser longtemps ici. Si non, non, non. Hein? Si elle vient ce soir, elle parler avec elle. Elle va partir. Elle va aller, ils vont la mettre au foyer. Tu veux porter pantalon, c'est pas ton foyer. Et puis tu portes mon mari. Lui aussi, ses yeux vont tomber dessus. Tu es foutu. Vas-y. Nénini. Merci, Eugénie. Ça va, ma chérie? Très bien. Ah. Ma cousine, je veux m'asseoir. Il faut t'asseoir. Sinon, tu te jettes comme ça, c'est quoi? Tu voulais que je m'asseoie comment? Non, il faut t'asseoir doucement. T'as cassé pour toi là. Oh. Il faut peut-être partir, hein. Il faut chercher le foyer là. À la mairie où tu es parti, tu as vu l'assistance sociale. Tu n'es pas dans le foyer, ils vont me loger. Non, 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 ils t'ont toujours dit, tu ne peux pas rester ici comme ça. Non, non, non. Mais les un mois que tu m'as donné, je ne peux pas encore se loger. Si, vite, tu as déjà fait 15 jours, mais les 15 jours là, il faut faire vite ta partie, pardon. Pardon, il faut qu'on se libère. Il y a rien. Le mois là va finir d'abord. J'ai compris, il dit à la carte vite faire, parce que si tu dors là, si tu t'assois là, tu ne vas pas chez l'assistance sociale. Mais je ne dors pas.
Mia, c'est pas ça. Il faut faire ta partie. Il faut faire ta partie. Parce que ton affaire, c'est pas clair. Tellement parler bien. Oui, ton affaire, là même, c'est même plus clair. Moi, je vais vous laisser. Ton histoire, là même, ça commence à m'échauffer. Mais Alice. C'est quoi? Je suis ici avec toi, je n'ai pas de problème. J'ai dit, il faut faire ta part avant ta maison. Ça, c'est mal. Non, c'est pas mal. Alors, ton mari est parti pour ça, non? Hein? Non, lui, il sait comment il est parti. Il a beaucoup de problèmes. On a prié. J'ai dit, ma chérie, cherche ta maison. Il faut aller, le numéro qui te donne là. Il faut appeler, ils vont te loger. Mais qui tu es parti? Il est sorti. Si tu pouvais avoir un autre verre d'eau, je pense pas. Toi aussi? Pardon. Elle est plus que ce tonneau. Elle aime ça, c'est vrai. Elle n'aime rien, en fait. Elle me sentait. Oh. Tout de suite, là, faut que tu vas partir. Elle m'a donné moi. Quand on du Paris à la maison, elle fatigue trop les gens. Moi, il t'a dit, il faut chercher son mari, tu n'as pas compris. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant que tu ne rentres dans la maison, il serait de moi. Là. C'est comme ça, elle posait est. Bien. C'est comme ça, elle est. Ce que je vais dire, il faut faire. J'espère, je te connais depuis Abidjan. Toi, tu sais que toi et moi, si tu as joué à ce jeu-là, moi. Là. Quel jeu je vais jouer? Non, je te dis en même temps, tu me connais. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Ah. Tu me connais. Moi, mais Abidjan, même, je t'épilais. Donc, ici, je m'assois sur toi. Non, je te parle. Faut pas rire. C'est ma chérie. Lola aussi, oh. T'es vite venue. Tu t'entends pas là. Je t'ai dit, oh. Ma chérie, moi, je m'en vais. La cousine, il faut bien rester avec elle. Mais il faut. Voilà. Merci, mon équipe. Merci. À bientôt. À bientôt. Nini, tu m'appelles, non? Je vais t'appeler. À bientôt. J'espère que tu ne sais pas parler habiter chez elle. Il faut partir à la mairie. Vont te faire tu as récupéré ton mari. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que quand tu es libre, là, c'est dangereux. Quand tu es libre comme ça, là, c'est pas bon. Une femme ne doit pas être libre comme ça à 100%. Non. Ma chérie, il faut chercher maison ta partie. Non, attends, attends. Non. Ah donc, je dois me marier pour chercher maison pour que lui revienne. Ah chérie, viens là, tu ouvres. C'est bien. Merci. Bonjour chérie. Bonjour ma soeur. Ça va? Ça va ma soeur. Qu'est-ce que ça fait ici tout ça? Cher, va t'asseoir, je vais t'expliquer. Enfin. J'ai tout bien ma soeur. Merci. Ça va, je te sers à boire. Non, merci. Tu veux rien boire? Non. Même pas de l'eau? Non, avec la chaleur qu'il y a. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le débarras de tombeau. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il a fait fort. J'étais en bas, en train de parler avec un ami. Il est venu, il a dit c'est qui? Je lui ai dit. Il a commencé à me menacer, il a menacé le monsieur à être très violent. Et en plus, il dit que lui, il part. Donc avant qu'il vienne, je mis ses affaires devant la porte, comme ça, ça va lui faciliter la tâche, parce que là, j'en peux plus, je suis fatiguée. On ne peut pas arranger, il est où? Je vais laisser dehors et puis je suis rentrée. Voilà, je suis fatiguée de lui. Parce qu'il est très violent. Je te comprends. Et en plus, il n'est jamais à la maison, il sort avec ma voisine, il me trompe, et je suis malade après. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, oui. Il y a eu des problèmes quand tu n'étais pas là. D'accord. Je suis avec la voisine, j'ai mis verser de l'eau sur eux. Et ma mère est au courant? Oui, elle est au courant. D'accord. Je suis descendue, elle est au courant en bas. Elle avait la main sur la voisine, j'ai failli la frapper. Wow. Donc là, si il part pas, je fais du mal à l'enfant des gens. Donc je préfère qu'il s'en aille. Ah, la grande, c'est là, franchement, laisse. Là, je ne suis pas bien, là, je ne suis pas bien. Tu as quoi encore? C'est tu la même folle, là. Une ma, folle? Ma femme, là. Elle a fait quoi encore? La dernière fois, on était là. Ta copine Niki, là, parlait d'un certain Julien. Oui. J'ai surpris ma femme avec ce Julien-là. En train de s'amouracher. Ta femme, là? Je t'ai dit, je ne suis pas aveugle. Je t'ai dit, je suis parti même la surprendre là-bas. Mais elle est où, alors? Ah, elle vient de partir, là. Comme elle sait que je t'ai appelé, elle a continué à la maison. Donc, moi, je t'ai appelé pour on va aller, je vais prendre mes affaires. Et puis, je vais continuer. Non. On ne dit pas ça. Prends pas quoi? Mais toi, non, tu connais pas tes problèmes. J'ai quel problème encore? Tu connais pas, tu sais pas que tu as qu'un an. Et alors? Non, mais tu peux pas te libérer comme ça. Un an là, ça ne te donne pas le droit de vivre comme tu veux. Il faut attendre un peu. Mais là, si tu vois qu'elle te fatigue là, tu me dis, je te mets sur une petite go, c'est tout.
Mais là, là, tu vas rester là, tu vas voir ta casse. C'est le feu qui est là-bas, là. C'est pas grave. Je peux pas être tranquille. Regarde. Je peux pas être tranquille, je suis pas bien là. Elle vient dire, non, je peux il faut pas, gérer. Je peux pas, c'est là. Non, je peux pas, là. Je peux pas. Je peux pas rester cette femme. Moi, je suis pas venu te chercher. Je suis pas venu. J'ai dit, il faut rester là, tu as la carte de 1 an. Il faut attendre. Tes papiers vont bien sortir et puis tu vas partir. Si tu veux une cola, je te mets sur. Elle n'est qu'à prendre papier là même, la grande soeur. Oh, mais là, tu veux devenir crochet à France ici. Oh, c'est bon. J'ai dit, moi, je ne veux pas petit frère crochet. Hein. Si on te parle à ta rentrée, ça, je n'aime pas ça. Hein. Je te dis que reste tranquille. Là, là, j'ai croisé une fille. Là. Je vais te mettre dessus, mais doucement. Tu sais que les papiers sont pas bien sortis. Tu vas partir, tu vas où? Ah, mais là, ça, c'est que ça sera l'hypocrisie. Hein. Oui, c'est pas grave, il faut jouer l'hypocrisie. Tu sais, en France, ici, là, c'est l'hypocrisie qui est ici. Faut pas mettre ton cœur sur une personne. C'est des histoires. En France, ici, là, c'est hypocrisie, on joue, on fait comme si on aime et puis on est là. C'est que tu veux, là, tant qu'elle ne s'est pas sortie, là, tu es là. Ça te fait quoi? Ah, mais celle-là, on sent que vraiment, je prends une dose. Oui, c'est pas grave, tu vas doser, elle va te doser, c'est pas grave. Faut rester comme ça. D'accord? Alors, on va la voir. Hein? Faut te calmer. Sinon, si je viens te chercher, là, c'est pas bon. On dit là, sa grande soeur est passée ici, elle a pris ses affaires, c'est pas bien. Hein? Faut te calmer. Mais moi, je vais gérer une fille. Elle va te mettre à l'aise. Faut même pas t'inquiéter, d'accord? Oui, tu comprends. Elle est comment? Comme ça, elle est jolie. T'as fait que si tu la vois là-même, tu as dormi, si tu viens. Elle est où actuellement? Elle est ici, elle est à Paris. Comment elle est où actuellement? Mais toi, tu as les belles moi, et puis tu me mets encore dans ce dossier-là. Oui, dossier-là, il faut gérer ça. Ça c'est dossier-là. Un vieux dossier, ça. Non. Dossier-là, t'as fait venir de Côte d'Ivoire. Il faut rester dedans. Tu vas voir ce qui est dedans d'abord. Et puis après, tu vas partir chez où tu veux. Mais ça peut prendre combien de temps? Mais c'est pas beaucoup. Si ça fait 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Deux ans quoi avec elle là? Oui, mais elle t'a pas donné papier. Toi aussi. Prends ton sac, on va partir. C'est trop d'air. Pour ça, là, tu viens te mettre sur la route ici. On dirait qu'ils ont tué ta mère. Non, mais si tu peux comprendre. Non, c'est... Allons. C'est sûr que ton moral n'est pas bien. Vas-y, faut t'asseoir. Depuis que je m'en. Tu vas. Prends mes bagages. Ouais. Oh, ma belle, oui. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va. Bonjour. Tu reconnais ma soeur? C'est la soeur qui est là. Je m'assois. Bah, moi, je prends la chaise à l'autre chaise. Oh, je suis ça, chaise. Ah bon? Je prends la chaise. Ok. Je peux le prendre moi-même, c'est pas grave. Ah, hey. Ma belle, on dit quoi ça va? Ça fait un bail, hein? Oui, ça va. Ah, je ne savais pas que tu étais là. Bah, si, je suis passée lui rendre visite. Ah. Ma belle, je te sers à boire. Non, merci, ma chérie. Tu veux rien boire? Ma fille, il ne boit pas. Parce que mon frère, il n'est pas bien. Donc, c'est pourquoi je suis venue. Je viens à l'entrée, je vois les valises. Oui. Je ne sais pas si c'est pour elle ou elle voyage. Je ne sais pas si c'est pour qui. Donc, je veux savoir. C'est pourquoi les valises dehors. Tu sais, j'étais en bas avec Julie en train de parler et ton frère est venu et nous a vu en train de parler. De quoi? De tout et de rien. Et il est venu, il a commencé à s'énerver, il m'a dit c'est qui? Je lui ai dit ah, c'est Julien. Donc il a commencé à être agressé, il m'a brutalisé devant Julien, il a même foncé sur Julien et j'ai essayé de lui parler. Voilà ce qui s'est passé, il m'a dit que lui de toutes les façons, il va partir. D'accord, mais là, les bagages, ça fait quoi de quoi? Je te dis, bon, il a arrangé pour déposer comme ça, lui-même, ça lui faciliter la tâche, comme il veut partir. Ah bon? C'est pour ça, ma belle. Sinon, c'est qui il pense voir, là? Il n'a pas compris. Dans ton village, là, quand ton mari se fâche, les garçons de son village, quand il se fâche, là, c'est une femme qui prend le bagage pour mettre dehors, pour dire, il faut partir. C'est non, ça? Si elle pense qu'elle est blanche. Hein? Toi, tu es en erreur. Ton mari t'a pris dehors, il vient, il n'est même pas encore rentré à la maison, toi, tu as déjà fait ses bagages. Tu penses que c'est Julien que tu veux installer ici? Ma belle, hein? Julien là, c'est même pas ma dame d'homme. Julien là, même si lui il part un jour, c'est pas Julien qui va venir ici. Moi, c'est qui la vie? Mais Julien, tu veux mettre ton mari? C'est qui la vie? C'est pas ça. Moi, je veux mon mari. Je veux que ça s'arrange. C'est parce que lui-même n'est jamais à la maison, il me trompe, il sort même mes voisins, tout ça. Mes voisines, c'est ça le problème? C'est la grande soeur. Ouais. C'est la grande soeur. Il faut qu'on soit un peu clair, tu vois. Cette fille, elle ne m'a jamais aimé. Cette femme, ma femme. Non, mais je ne vais pas t'appeler femme. Ah. C'est le mot femme, là. Tu vois, on ne donne pas ça à n'importe quelle fille du monde, hein, de t'appeler femme propre. Quoi. Moi, je trouve ma fille une femme, bon, je ne sais pas si c'est une femme, hein, une femme, en plus, dans un parc. Oh là là. Et ce Julien, même, il commence à la caresser d'une manière. Tu es marié quand même. Il m'a caressé. Reste pas, tu as dit ça. Ma belle, ce n'est pas vrai ce qu'il raconte. C'est faux. Moi, je ne suis quand même pas un palais faux. Ah bon? Ouais, non, laisse. Non, elle fait rien avec ce Julien. Mais toi, tu connais ce Julien? Ah, bon. Tu le connais? Mais c'est ma soeur, on en parle.
risque. Ah, mais vous êtes dangereux chez vous, alors. On n'est pas dangereux, ma belle. On n'est pas dangereux. Si. Non. Toi, tu vas chercher un garçon dehors, on te prend, tu viens faire sortir les bagages. Je veux savoir, tu veux que mon frère quitte ta maison, Julien va venir chercher. Tu as venu de parler. Oui. Je n'ai jamais cherché un garçon. Eh, Julien, c'est une femme. Il n'est rien pour moi, c'est juste une connaissance. Oh. C'est pas ton frère même qui me trompe, il a envie de partir. Sauf qu'il profite de ça. Il faut parler, on va entendre. C'est pas bien de parler. Dans le fait qu'il s'entraîne parler à ma soeur, il y a des points d'apérance. C'est des points d'apérance ou bien. Tu te caches quoi? Je suis ta femme. Laisse ça faire, dis ma femme. Ma belle, mon frère, tu as tout dit. C'est la salle que tu vis là. Ma belle. Non. Ma belle. Non, il n'y a pas belle ici. Moi, mes frères, là, je ne suis pas avec eux comme ça. Je comprends mieux. Non. Oui, tu vas mieux comprendre. Ah. Parce que tu n'es pas une bonne femme. Toi, tu n'es pas une femme aussi. Moi, je suis une femme, mais je veux parler doucement. Il ne faut pas parler comme ça, madame. Il faut parler doucement. Ma belle. Elle ne peut rien faire. Une femme, ton mari t'a pris dehors, tu viens, tu fais sortir ses bagages, ça sonne bien dans ta tête. Mais tu me surprends. Hein? Mais non. J'ai une femme mariée aussi, et tu me parles comme ça. Non, c'est prendre bagage, on va partir. Ton tour va arriver un jour. Non, on va partir. Ma belle, on fait pas ça. Prends les bagages, on partit. Entre femmes, on fait pas ça. Comment on se connaît? Allons, on prend les enfants, on y va. Eh, pardon, asseyez-vous. On va parler. Mais je m'attends pourquoi? Calmez-vous, asseyez-vous. Ma belle, moi je veux qu'on parle. Il faut t'asseoir. Écoute-moi, Marie, que tu vas dehors, je sais que tu m'aimes. Assis-toi. Moi je t'aime. Oui, tu m'aimes. Assis. Lui, il t'aime. Assis. C'est toi qui as fait sortir ses bagages. Moi, je l'aime, il m'aime. Lui et moi, là, on est ensemble, on est au pays. C'est tout, aller c'est nulle son mari. Quand tu peux aller. Non, là, c'est ton mari, là, tu ne le trompes pas. Elle n'a pas trompé, hein. Elle n'a pas sur. Toi, mais je sais que toi, tu es diplômé. Toi, tu dois avoir des diplômes pour ça. Mais celle-là, c'est la plus chinoise. Ça t'abêche, tu parles comme ça. On va laisser faire des belles soeurs, là. Quand nous deux, on est dans la maison, on sait ce qui se passe. Moi, je suis donc, c'est pas la peine de parler comme ça devant ta soeur. Je suis surpris même que ta soeur Dieu connaisse Julien. Tu l'as présenté à ta maman. Je lui ai simplement expliqué ce qui s'est passé. C'est tout. Mais toi, tu dis, on dit qu'il est pongé. Tu dis, non, il n'est pas pongé. Donc, c'est que tu le connais alors. Ah, mais puisqu'elle l'a dit. Tu l'as vu. Je l'ai vu. Ah, on doit partir. Non, écoute, ma belle. Soyez-moi. Je suis déjà levé ici. Sois-moi. Attends, je t'en vais où? Chérie? Tu t'en vas où? Attends, on va parler. Non, tu restes, on va en parler. Ma belle. Non, reste. Je vais parler avec ma belle. J'ai mis ça là. Non, je voulais voir si tu m'aimais vraiment. D'accord? C'est pourquoi j'ai fait ça, ma belle. Je voulais voir s'il m'aime. Non, ma belle, toi et moi, on va rester. C'est ton testeur, quoi. Pardon, laisse-moi. Non, ma belle, pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon, ma belle. Comment tu peux te chercher ton mari? Mon mari, s'il te plaît. Je voulais voir si mon mari m'aime vraiment. Sinon, il n'y a rien. Je t'en supplie. C'était pour voir si tu m'aimais vraiment. Mais j'ai compris que tu m'aimes. Si tu m'aimais dans l'état dans lequel dans le parc là pour mettre la honte sur moi. Chérie, quand tu vois ce que j'ai juste savoir, j'ai compris maintenant que tu sais. Tu sais combien de filles pleurent pour moi ici en France? Je sais. Il faut me respecter. Je sais que c'est moi que tu aimes. C'est moi que tu aimes. Non, laissez en fait, c'est moi qui aime. Elle est allée prendre les valises là pour mettre ça. Non, ma belle, tu vas faire. Tu t'en vas, c'est pas bon. Ok. Laissez là-bas, j'en viens. S'il te plaît. Mais il faut calmer un peu ton cœur. Tu l'as toujours énervé. Tu veux juste qu'on voit si tu m'aimes vraiment ou pas. Allons-y. Si tu m'aimes vraiment ou pas, ton mari, il ne faut pas le tester comme ça. Moi, je suis pas un garçon facile. Ça va, là, vous êtes impoli là-bas ou pas? À midi, je suis comme ça. Quand tu me parles, je dois dehors. Toi aussi. C'est juste pour voir. Moi, j'ai la famille ici. Non, c'est pas. Regarde, ton histoire, c'est pas parce qu'il tient à toi. Il faut respecter les gens. J'ai compris, ma belle, assis-toi. Toi, tu dois. On dirait qu'elle va la. Ma belle, il faut t'asseoir. Chez nous, quand une femme fait ça, là, elle doit payer. Elle doit payer, comment on appelle ça, quitte pour te donner. Pour le nom. Ok. Il faut ce que tu as payé pour me donner pour faire des mails, c'est ça que tu es en train de. J'ai dit, tu n'es pas ma maman, je ne peux pas payer ta dot. Moi, je ne peux pas venir parler comme ça pour rien. Hein. Moi, là, je suis une femme bêtée. J'attends, chez nous, les bêtés, là, quand tu prends le bagage de ton mari, tu mets dehors. Tu payes pour rien, elle paye pour mettre ton mari. J'ai compris, ma mère, mais le bagage n'était pas allé dehors, c'était devant la porte. C'est là où vous dormez? C'est votre chambre? Oui, c'est la maison. Et toi, tu sais. C'est ma soeur. C'est votre chambre qui est là? Si c'est pas comme pardon, ça, non, tu vas monter, descendre. On dirait qu'à donner 50 euros là, même temps, tu vas. Là, toi, tu as payé plus là, en route là-bas. Comment tu vas? Envoyer 50 euros là. Envoie! Non, c'est rien à faire. Non, mon sac. Toi, tu es ma belle, de la façon de temps en temps, tu fais des cadeaux. Il n'y a pas de laisser faire des cadeaux. On parle d'aujourd'hui, tu as réussi. Ma belle, bon, ça, c'est ton cadeau de fête des mères. Non, ça, c'est pour toi. Ok. Voilà, la fête des mères.
garçon, tu n'as pas l'argent. Mais quand même, tu as les 36 000 là. Je te dis, je ne peux pas enlever un euro. Après ce qui s'est passé ici avec mon mari, vous avez osé parler de moi encore à mon mari, c'est ça? Peu importe l'endroit que vous pensez, ça c'est votre petit français là, la con que vous racontez, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vous qui racontez votre vie à la con, parce que c'est vous qui criez, tout lui-même vous regarde, le balcon il se met là, il vous regarde. Okay. Lui, j'ai fait venir mon mari, oui. J'ai payé 6 000 euros, oui. C'est pas pour qu'il se mette avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'achète pas les maris. Ah bon? Moi, on paye ma dot. On me marie à ma famille. Oui. C'est pas moi la femme qui va aller payer dot des mecs. Okay. Et je le fais venir. Mm-hmm. Et après, je le mets partout et tout le monde se met au balcon pour nous regarder. Moi, je ne peux pas le faire. Écoutez, c'est bien beau de dire que vous n'avez pas que ça à faire. Moi non plus, j'ai pas que ça à faire. J'en ai rien à foutre de votre petite vie misérable à sortir avec le mari des autres. Quel était votre projet en disant à mon mari que je le trompe? Vous pensez que quoi? Qu'il allait me quitter? Il va me laisser pour ça? Si vous avez un problème avec votre mari, oui. Que vous ne pouvez pas régler ça chez vous à la maison, moi, ce n'est pas mon problème. D'accord? Ah bon? Ça ne me regarde pas. Ah bien. Là, je vais au boulot. Vous m'avez interpellé, je ne sais pas pourquoi. Si c'est pour des bêtises comme ça, moi, je ne suis pas là pour des bêtises. Ah, vous appelez ça bêtise? Mais oui, pour moi, c'est des bêtises. Ah. Et de deux, la prévoinelle, il vous a soupé avec un mec. Mais vous savez quoi? Qui vous a dit qu'il m'a soupé avec un mec? C'est lui-même qui me l'a dit. Ah, c'est lui qui vous a bah, dit oui, c'est effectivement, il m'a vu avec un ami en train de parler en bas. C'est tout. Vous êtes là pour les récupérer. C'est ça? Et tu... Moi, j'ai un mari, moi. Ah bon? Un mari? Vous faites quoi, là? Ah, je parle avec la voisine. Bonjour, monsieur. Ah, c'est la voisine? Oui, la voisine, la petite, tu la connais pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et lui, c'est qui? Et après cette dame-là, c'est mon mari. Ah! Vous criez sur attendez, toi. Attendez, vous avez un mari? Mais je vous jure, vous êtes tous. C'est votre mari? Qu'est-ce que c'est? Et puis vous traînez avec mon mari, dans, je vous vois dans la rue? Monsieur? Oui. Je suis madame Tcha. La voisine en haut. Tcha, c'est qui? Je sais pas. Tcha. C'est votre voisine en haut. Je suis en face de vous. Ah, ok, d'accord. Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette dame. J'ai vu plusieurs fois avec mon mari, la dernière fois mariée avec la messe, il avait la messuelle en bas. On s'est presque bagarré. Et c'est mon mari qui s'est mis au milieu pour nous séparer. Et en plus de cela, elle parle à mon mari que moi je trompe mon mari. Elle? Oui, elle. Elle, tu as fait ça? Que moi je trompe des hommes défilés. Le cas, c'est qui? C'est le jeune homme clair, souvent je le vois avec lui. Ah non, c'est notre amie, madame. Ah d'accord, c'est votre amie, mais sachez que elle, votre femme, là, elle sort avec mon mari. Non, je les ai surpris ensemble. Non, vous n'en savez rien. Non, si, elle est aussi de rester pour ma femme quand même. Ah bon? Non. Non mais c'est, donc non, vous mais avez c'est... un mari et vous cherchez le mari des autres. Et là, vous faites la scène d'une touche là, devant non, votre mari. Mari, moi j'ai ah, un mari. Ben, je vous donc, ai dit, le mari, moi je n'achète pas. Ah d'accord. Moi, c'est lui qui a payé ma dot, je ne l'ai pas acheté. Ça, c'est une bonne chose. Mais oui, je ne l'ai pas acheté. C'est vous qui êtes parti acheter votre mari et vous criez sur tous les toits. Ok, vous savez quoi? Je n'ai jamais acheté un mari. Mon mari, je l'aime. Effectivement, il est en Afrique. Et je l'ai aidé à venir ici en France. Mais pourquoi tu cries sous tous les toits? Sur... J'ai payé. Non, mais... Quel est son problème? Faut calmer la dame. Oui. Excusez-nous, mais on va partir. Vous allez partir où? Vous ne pouvez pas partir. On viendra vous... Pourquoi? Non. On viendra vous voir. On va régler suis... ça. Je suis désolée. Parce qu'elle, elle ne peut pas partir. Mais pourquoi? Parce qu'elle essaie de détruire mon mariage. Elle a raconté des choses à mon mari. Donc j'aimerais qu'elle m'explique. Non. Voilà. On s'excuse vraiment. C'est... Je pense le cas, il fait... Mais dis donc, ouais. Donc on sort avec le mari des gens et puis on a son mari au chaud. Eh bien dis donc tu vas avoir deux non, maris. Madame, mais ça, je vais, attends, je vais te dire madame, un truc. Madame, je vais vous dire un truc. Vous cherchez mon mari? Je vais prendre pour vous pour ajouter ce pour moi. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Non, mon mari. Allez, vous pouvez passer. Allez-y, c'est bon. Non, mais comme c'est pas. Doux là, je vais prendre pour vous pour ajouter ce pour moi. Allez, on verra. Vous allez prochaine. Voir. Non, eh bien dis donc. Dame, vraiment, elle est mariée, elle trompe. Je ne veux pas me montrer chez toi. Tu dis que je suis en colocation. Tu veux que je te montre pour ma copine. Pourquoi tu as eu ton crédit alors? Les 36 000 euros en colocation. Tu peux être en colocation. Et puis tu as un bon travail, tu as des bonnes filles, je paye. On te donne crédit. Oui, mais tu n'as pas une quittance de loyer. Ah,
Quelle quittance de loyer? Si tu as un bon salaire, la personne qui t'héberge là, te dit que tu mets un mot pour dire que tu es chez vous, mais dans le crédit, on m'a donné 35. Je n'en ai pas un euro dessus, c'est ça qui te fait mal. C'est un franc, mais puis que je n'en ai pas. Je vais aller dans ta banque. Oui, si tu veux. Bon, appelle Alice, on va aller chez elle. Toi, on va te donner le garçon, puis c'est toi qui passes sur les gens. Comme ça. Non, c'est rien, mon bon. Ça, c'est ma tante qui j'appelle la tante. Toi, appelle ta tante, on va aller chez elle. Non, tu n'as pas dit que tu me ramènes chez la belle là. Oui, alors on s'en va là. L'appel du gars là. Là, moi j'appelle. Ah, bah, c'est toi-même ta tante. Ton coucou, tu es en train de faire là. Eh bien, c'est attention. Hein. Est-ce que tu m'attends? Non. Ton coucou, tu es en train de faire là. Moi, je n'aime pas marcher avec les connaisseuses. Je te dis, je connaissais quelque chose. Hey, tu ne veux pas la faire des crédits. J'ai dit, j'ai mon crédit. Toi, tu es en train de parler de quoi? Je te crois. Ah. Je te crois, mais je veux que tu vas me ramener dans ta banque. Oui, mais les connaisseuses, même là, je n'aime pas marcher. Bon, tu as raison, on y va. Ma tante, elle décroche pas, mais je suis de tout. Vous les connaissez, là, vous discutez tout. Oh, moi, je écoute, oh, la bande. Et puis si tu fais ça, garçon, je ne vais pas te donner. Non, écoute, la bande, on est entre nous. Franchement, il faut arrêter de parler maintenant. C'est quoi? Aïe. Tu veux pas des trucs, je t'ai dit, j'ai compris, tu continues de parler. Tout ça, tout le monde, les gars, c'est ça? Fouille. Moi, je n'aime pas les fouilleuses. Tu as raison. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Tu es venu me dire que ma cousine, elle a couché avec mon mari. Et je me lève, je vais chercher le bébé. Tu lui dis encore que je ne suis pas une bonne femme. Mais pourquoi tu fais ça? Tu l'as vu. Elle a fait ça? Tu as vu ça. Niki, arrête ta comédie. Tu as vu. Là. Il faut arrêter ça. Parce que la fille, là, on s'est bagarré pour ce problème. Ah bon? Mais oui. Non, mais elle n'est pas comme ça. Hein? Elle mente. Ma chérie, oui. C'est ta copine. Oui, c'est une amie. C'est une amie. Oui. Elle t'a pas encore mis dans. Elle connaît chez toi. Oui, elle connaît bien chez moi. Mais je connais pas chez elle. Franchement, elle est très dangereuse. Même ma cousine, elle cherche Niki. Non. Elle te cherche. Elle me cherche. On va se trouver, on est tous à Paris. Voilà, ton papa, toi, ça va finir tes jours. J'ai dit, on va se trouver. J'ai dit, si. On peut régler ça entre nous, puisqu'on partait chez nous. Oui, mais on peut régler ma chérie. Je dis pas non, mais elle est dangereuse. Je n'ai rien dit. C'est des mythos. Faut les laisser comme ça. Celle-là, elle est au courant de tout le monde. Ah, bon. Hein, c'est ça. Je suis au courant de tout le monde. Mais tu m'arrêtes même et puis tu me présentes. C'est pour savoir si ton frère était là. C'est... Ah, tu continues encore? Si mon frère. Si mon frère, t'as fait quoi? Ton frère là, sa femme là, ça va pas. C'est pour lui présenter une jeune go. Quel jour t'as arrêté même? J'ai dit, papa toi là, ça est dans ton sang. Tu te promènes avec ça. Hein? Pardon, tu si m'arrêtes tu veux pas là. Parler avec nous, faut partir. Oui, mais je vais partir. Parce que toi, genre, le papa toi, comme toi, ça, c'est ta copine. Oui, c'est ma copine. Ouais. Regarde, en France ici, là, c'est très important. Je ne perds pas mon temps avec cette fille. Nous, on travaille. Hein. Bah, vous, oui, c'est ça. Oui, vous avez des fiches de paye. Oui, on a. Ouais. Nous, on a fiches de paye. Papato, là. Pas Papato. Mais tu travailles où? On travaille. Bah, oui, en gâtant les foyers des gens comme ça, on te paye. Chacune travaille. Et toi aussi, tu es dedans? Non, c'est ma copine. Ah oui, mais il faut te méfier de celle-là. Parce que regarde, l'heure là, quand vous ne travaillez pas, vous êtes là, vous faites pas tôt. Mais non. Et puis quand le mois finit, vous avez des fiches de paye, moi je vais au travail. J'ai d'accord j'ai mais tu sais, toi, faut pas t'inquiéter. Tu vois, elle va venir le jour qu'elle t'attrape. Tu vas qui ma soeur. Ta quelle soeur? Hé hey, t'as oublié? Celle que tu viens, elle regarde sur terre, mon mari là. Elle va venir. Mmh. Elle va te croiser. Attends. Moi je te laisse. Attends un peu, tu vas t'asseoir là pour avoir tes deux gros yeux pour pleurer. Ouais. Oui. Elle va m'appeler ton mari. Tu fais pitié. Je viens de voir mon chéri de fin d'année. Après ça, c'est un beau cadeau. C'est que tu parlais derrière les là. Bonjour, papa. Oh, pardon, là.
Excuse-moi. Pardon. Ah, pardon. Moi, je ne me bagarre pas. Elle est femme d'abobo. Non, mais même toi. Non, non, non. Je ne parle pas de toi parce que toi, je suis votre association. Je ne me bagarre pas. Vous deux, là, je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas si vous êtes quitté sur autre planète, mais vous êtes des mauvaises filles. Tu crois? Oui, non, toi, non, d'abord, je n'ai pas affaire à toi. Toi, tu vas très te calmer. Ah bon? Et mets-toi à côté. Pourquoi? Tu vas rester sur toi. Pourquoi tu l'as cherché, son mari?